Good morning, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous présenter des petites trouvailles que j'ai faites niveau vêtements pour ma fille. Donc il y a des choses neuves et il y a des choses d'occasion. Les choses d'occasion, c'est des choses que j'ai prises à une amie, à moi et à mon chéri, qui a une petite fille aussi, et mais qui est plus grande que la mienne. Enfin bref, voilà, c'est tout ici et je vous montre tout ça. Tout d'abord, je lui ai pris à Lidl des petits bodys comme ça. Alors j'ai pris deux fois le même, mais c'est deux fois pas. Enfin, c'est deux fois le même, mais c'est pas la même taille. Donc vous avez celui-là qui est en 12-24 mois. Donc autrement dit, 86 à 92 cm. Ce qui n'est pas encore le cas de ma fille. Donc pas encore à cette taille. Et celui-ci en 6-12, donc 74 à 80 cm. Voilà, ça, c'est plus pour maintenant. Donc voilà, deux petits bodys comme ça. Ensuite, je vais prendre un ensemble. Alors là, ce sera plus pour l'automne. Voilà, c'est en 12-24, mais plus pour cet automne. Hiver, pour rester peut-être à la maison. Pareil, Looney Tunes. Comme ça, il y avait plein de trucs filles garçons, c'était trop bien. Ça, c'est ma mère qui lui les a pris. C'est deux petits ensembles. Comme ça, que je trouve juste trop beau. Il y a celui-ci avec des petites abeilles. C'est du... Enfin, vous voyez là, du coup. C'est du 6-12. Et il y a celui-ci, pareil en 6-12. Qui est comme ça et que j'adore. Donc j'ai hâte de lui les mettre. Enfin, les laver avant et après lui les mettre. Ensuite, à l'ami dont je vous parlais, je lui ai pris aussi des petites chaussures. Donc je lui ai pris cette paire de chaussures là que j'aime beaucoup. Voilà, elles sont trop jolies avec les petits yeux de chat et tout. J'adore. Hop. Ensuite, je lui ai pris aussi des petites chaussures comme ça, mini. C'est du 19. Elle en est encore loin. Mais voilà, on verra bien. Je lui ai pris au cas où. Et dedans, comme vous voyez, c'est fourré. Donc pour l'hiver, ça serait top. Mais encore une fois, on verra si elles sont pas trop petites ou... Enfin, si elles sont pas trop grandes. Ensuite, niveau vêtements. Là, tout ce que je vais vous montrer principalement, c'est ce qu'on a pris à notre ami, on va dire. Donc, j'ai pris un petit pyjama comme ça, mini, en 12 mois. Donc, c'est sa taille où elle en est actuellement. Voilà, ensuite un autre petit pyjama comme ça avec des petits dinosaures qui s'ouvre sur le devant. Ça, le papa il sera content. Ce papa il préfère quand ça s'ouvre devant, maman elle s'en fiche. J'ai pris un petit t-shirt comme ça. Ah, mais c'est boutons quand ça commence à aller chanter. Hop, pareil en 12 mois. J'ai pris ça que je mettrai, enfin, je vais, j'hésite, soit je mets en pyjama. Soit pour rester ici ou aller chez papy mamie ou... C'est un petit truc avec Nala dessus. J'adore les trucs Disney pour ma fille. Ensuite, je lui ai pris un autre petit pyjama up avec Titi qui s'ouvre du coup par derrière. Je lui ai pris cette petite tenue là. J'ai fait tout dessus. Ça, dès que ça va être lavé, je vais lui le mettre avec ou sans collant. Je lui ai pris ça également. Voilà. Pareil, toujours en 12 mois. Et avec ça, il y a une petite culotte. Voilà. Ensuite, je lui ai pris aussi un autre petit pyjama. Je suis à croquer. J'ai pris ce petit haut. Comme ça, qui est trop chaud. Hop. Et là, ça commence à moins en avoir. Donc, je peux le prendre dans mes genoux. Je lui ai pris ça, donc pareil, ça soit lui mettre comme ça, soit en guise de pyjama quand il fait chaud. Hop, ça, pareil. Ça, je pense peut-être plus tenue. À voir, mais voilà. Ensuite, je lui ai pris une petite robe, comme ça. Ça, pour l'automne. Ça fait pas trop froid, honnêtement, je trouve ça pas mal. Un petit short. Un petit haut comme ça. Là. Moi j'aime bien ces vêtements quand ils ont des frissons derrière et pas les boutons. Un petit haut comme ça. Une petite
Salopette. J'adore voir ma chérie avec ce genre de truc, c'est un truc de fou. Voilà. Pareil avec des. Je peux lui mettre des couleurs. Je peux m'éclater. Un petit haut à manches longues Simba. Pour cet été. Hiver. Enfin, non. Pour l'automne, je pense que ça peut lui aller. Ce petit t-shirt avec écrit Mon papa, I love you. Voilà. Un petit t-shirt avec un attrape-rêve. Voilà, aussi en 12 mois. Sur ça, j'ai craqué. J'ai trouvé ça trop joli. Ensuite, ça, je lui ai acheté à Inter, à Super U, pardon. Voilà, il y a encore les étiquettes dedans. Et je lui ai pris ça, plus une tenue qu'elle a. Mais alors, attends, je vous montre. Je lui ai pris ce petit t-shirt. Et je lui ai pris également une autre petite tenue qu'elle a sur elle actuellement. Et vu qu'elle est dans son lit, je peux pas vous la montrer. Je vous mets la photo par ici. Voilà, si vous souhaitez voir. Et voilà. Donc voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo craquage pour bébé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.